Alors, Pérégune, c'est l'histoire d'un jeune homme. Très influençable, en fait. Il essaye de se faire accepter dans le village où il vit, mais ça marche pas très bien. Il est très pauvre au départ, il rêve de devenir quelqu'un. Il se bat avec toutes les choses qu'on se bat tous, c'est-à-dire quelle est l'essence de notre vie. Si c'est quelqu'un qui se cherche, c'est aussi quelqu'un qui fuit beaucoup. Il n'arrive pas très bien à savoir qui il est. Et donc toute sa vie, en fait, il va avancer, mais en faisant des détours. Il a des grands rêves, il veut être quelqu'un. Et puis, il ne veut pas être juste quelqu'un, il veut être empereur. C'est un mytho, quoi. Son arme à lui dans la vie, c'est l'imagination. Il s'en va pour un voyage initiatique. Et le voyage va être très long. Et il rencontre tout un tas de personnages. Je ne sais pas trop s'ils sont réels ou s'ils sont juste le fruit de son imagination. Au milieu de sa vie, il va avoir une longue traversée du désert. Je crois qu'il cherche vraiment, vraiment, mais il se trompe. Il revient au pays, sans le sou. C'est un impulsif, un fougueux. Il va falloir qu'il fasse le bilan de tout son parcours. Avoir ce face-à-face avec lui-même qu'il a cherché et fui toute sa vie. Il a un vrai courage, le courage des imbéciles, j'ai envie de dire.